Seb Concept, avec un K majuscule comme Cani, comme mon patronyme. Je fabrique des choses. Tu viens avec une idée et moi je vais la réaliser. J'ai grandi dans une famille d'artisans. On a toujours eu à cœur de faire les choses nous-mêmes, en commençant par la mécanique familiale, hein, voilà, par la métallurgie, j'ai appris le métier de métallier, je me suis recyclé dans l'informatique, j'ai été dans le monde agricole. J'ai aussi trouvé à travers mes différents parcours l'importance de la transmission des savoir-faire, donc j'enseigne, enfin titre principal à mi-temps, pour que ces savoir-faire ne soient pas égarés, ne se perdent pas. Pour moi, ça n'a pas de sens de garder ça pour soi. L'humanité aurait moins de problèmes si on se transmettait mieux nos savoirs. Et puis, d'autant plus que le savoir, c'est une richesse que l'être humain il est capable de produire à l'infini et gratuitement. Et pour moi, ça, c'est une importance capitale. Ce savoir-faire m'a été transmis par mon grand-père, par mon père. Cette passion de se développer, d'aller chercher des compétences, elle vient de là également. Je fabrique aussi bien des outils, du totalement inutile et indispensable, de l'objet de communication, ça peut aller du porte-clé à l'enseigne, ça peut aller de la petite affichette qui va rendre tes toilettes ultra originales, à un outil pédagogique et éducatif. On peut absolument tout faire. Je fabrique aussi des jeux et des jouets pour des éditeurs. Je travaille pas que sur l'objet décoratif, je travaille aussi sur l'objet qui va permettre de repousser l'obsolescence. J'ai fait des pièces pour une automobile, voilà, des ouvertures de portes, de fenêtres électriques. Il y avait un petit guide en plastique à installer dedans. Le fabricant, il vendait tout le dispositif pour pas loin d'un millier d'euros, alors qu'il y avait une petite pièce en plastique de 3 cm sur 3 à remplacer. Et du coup, on a économisé un millier d'euros contre quelques grammes de plastique et une heure de travail, quoi. Donc là, on y gagne, on fait des vraies économies sur ces principes-là. Ce que je veux faire avec mes clients, c'est de leur montrer qu'on peut apporter un grand standing à son image, avec des objets que je vais faire avec des matériaux de qualité qui vont être représentatifs de leur image. Voilà, moi j'aime bien mettre en valeur les belles matières, et il n'y a pas de raison qu'une petite entreprise locale n'ait pas accès à ce niveau, à ce standing-là. Non, on y a tous accès, on y a tous droit, il suffit juste de tomber sur les personnes qui ont envie de le faire. Et j'essaye de faire partie de ces personnes-là. Je travaille jamais seul. Mon client, il doit travailler aussi un petit peu. Il doit me faire part de ses idées. Pour ça, il y a plein de façons de faire. Il y a le papier, un crowbar, un dessin. Ça peut être un mot. Voilà, on va me demander de fabriquer des accessoires de jeu et de le personnaliser. Alors, comment je peux personnaliser quelque chose pour quelqu'un que je ne connais absolument pas? Donc, je lui pose la question, donne-moi un mot qui te définit au mieux en ce moment. Et puis, à partir de là, moi, je vais faire des choix, des dessins, des croquis. Je vais aussi faire appel à des graphistes. Je vais faire appel à des gens qui ont d'autres compétences pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Il y a une vraie expression des besoins. Je fais toujours une proposition graphique, visuelle, au plus proche de la réalité avant. J'essaye, quand c'est nécessaire, de faire un modèle 3D. Ça permet de se projeter, d'avoir une perspective avant d'avoir l'objet. Et aussi de se rendre compte de ce qui pourrait pas fonctionner. C'est bien de pouvoir simuler tout ça. Je vais essayer d'amener la meilleure qualité possible au budget le plus serré. La belle image, la qualité, le luxe, il n'est pas forcément inaccessible. On est dans une région où on a accès à des matériaux de grande qualité. Il faut aller les chercher, il faut se donner un peu la peine d'aller voir nos menuisiers, nos producteurs, nos fournisseurs locaux. Ils ont de quoi faire. On n'achète pas tout sur Amazon. Faut arrêter avec ces trucs-là.
Moi, mes objets, mon travail, je l'ai envoyé dans 14 pays d'Europe cette année. Et j'ai fabriqué des butailles pour le compte Kamichi Bay qui sont partis. Le dernier que j'ai envoyé est parti en Lituanie. J'ai des clients là-bas et je peux répondre à toutes les demandes. Aussi petite soit-elle, il n'y a pas de petite image. On a tous besoin de pouvoir valoriser son image à sa juste valeur avec des objets de qualité qui nous représentent au mieux et au plus près de nous-mêmes.